The screen door slams, Mary's dress sways. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Bonjour, aujourd'hui sur Corde à gratter, nous allons nous intéresser à Thunder Road de Bruce Springsteen. C'est un morceau extrait du cultissime album Born to Run, sorti en 1975. Et à mon avis, c'est carrément un des meilleurs morceaux de tout l'univers connu. Ça vaut autant pour les paroles que pour la musique d'ailleurs. Par contre, il y a assez peu de guitare sur la version originale. Tout le groupe joue, mais c'est vraiment centré sur la partie de piano. Donc là, j'ai adapté un petit peu les choses pour la guitare acoustique. Et je vous invite à écouter un petit coup la version du groupe Double Back, duo acoustique, pour voir à quoi ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait ressembler au final. Alors, Thunder Road est un morceau en Fa, une tonalité agréable au piano, un petit peu moins à la guitare. Screen door slams, Mary's dress sways. Donc là, je suis parti sur du Fa, du Si bémol. Hein. Si on y va comme ça, ce sera un festival de barré. Donc, pour échapper à ça, ce qui vaut mieux, c'est mettre un capot à la troisième case, Jack, et d'attaquer en Ré. C'est d'ailleurs ce que fait Springsteen lorsqu'il joue le morceau tout seul en acoustique. Screen door slams, Mary's dress sways. Donc là, je suis sur du Ré, du Sol, du La. Les doigtés beaucoup plus accessibles. Et puis Ré plus les trois demi-tons, ben, on atterrit en Fa, hein, la tonalité originale. Donc, les grilles d'accords que je vais vous présenter tout à l'heure sont justement Ré. Avec ce capot à la troisième case, si vous suivez, ben, vous serez dans la tonalité originale. Vous pouvez jouer par-dessus le disque. Je trouve qu'il y a quand même un défaut à cette manière de faire, c'est que cet accord de Ré qui va revenir tout le temps, ben, il est joué assez haut dans le manche, hein. La note la plus grave c'est celle-ci, ce qui est déjà assez aigu. Donc c'est un accord brillant mais qui va manquer un petit peu de chaleur, de prestance. Pour remédier à ça, ce que je vous propose, c'est de baisser d'un demi-ton et de jouer en Mi. Donc en Mi, ben, il suffit de mettre le capot à la deuxième case et faire la même chose. Mais je vais plutôt vous proposer une ruse de guerre ici, qui consiste à mettre le capot uniquement sur les 5 cordes aiguës. Hein, capot sur les 5 cordes aiguës. Et ici, ben, vous voyez que le gros Mi, il est toujours libre. Ce qui fait que si vous jouez maintenant votre accord de Ré, avec le capot à la deuxième case, ça fera donc un Mi. Vous avez la liberté de jouer le Mi à la basse. Et puis là, vous avez un Mi avec une basse chaleureuse, riche. Ça permet aussi de changer. Hein. Vous pouvez jouer une mesure avec la grosse basse ici tout en bas. Et la mesure d'après, vous prenez la basse en haut. Voilà, donc un petit peu plus de variété et de chaleur. Les autres accords principaux, le La se fait de manière normale, le Sol se fait de manière normale. Donc c'est avec cette position du capot un petit peu particulière que on va voir l'arrangement de Thunder Road aujourd'hui. Alors nous allons surtout utiliser les accords majeurs de la tonalité de Ré, à savoir le Ré, le Sol et le La. On va également utiliser, mais beaucoup moins souvent, des accords mineurs. Il va y avoir le Mi mineur, le Si mineur et le Fa dièse mineur. Alors le Si mineur et le Fa dièse mineur, ceci c'est forcément des positions barrées. Ça peut poser des difficultés à certains. Donc il faut savoir faire ces deux barrés pour jouer Thunder Road avec une position de Ré. Récapitulons. Donc on a l'accord de Ré, qu'on peut jouer avec la basse ici sur la corde de Ré, ou la basse sur la grosse corde. Alors moi je ne fais pas tout le temps pareil, hein, quand je joue le morceau, je change. Hein. Donc à vous aussi de le sentir, quand est-ce qu'il vaut mieux faire l'un ou l'autre. Plusieurs fois, on a un passage Ré sus 4. Alors, pour passer d'un Ré à un Ré sus 4, il suffit juste de rajouter le petit doigt ici sur la troisième case de l'accord aigu. Ça dure une croche, hein, vous le rajoutez et puis vous le relevez. Voilà. J'utilise aussi des fois un Ré ici en barré, comme ceci.
Donc c'est comme un accord de Do, mais avec un barré de deux cases. Pourquoi est-ce que je fais ça, hein? Parce que je suis en Si mineur ici. Pour passer en Ré juste après, j'ai qu'à déplacer mon petit doigt ici. Hein? Je passe de ça, de là à là. Hein? Si mineur, Ré. Si mineur, Ré. Donc, c'est assez économique. Alors, je peux également faire un Ré usuel, hein, ici en bas, mais je dois déplacer toute ma main, changer de prise. À vous de voir ce que vous préférez. Tout à la fin du morceau, j'utilise également un Ré un petit peu particulier. Je vais barrer ici les trois cordes aiguës avec mon index en travers et rajouter le petit doigt sur la 12e case. Ça vous fait ceci. Donc celui-ci, je le rajoute tout à la fin du morceau, hein, dernier accord. Ça laisse un truc un petit peu assez aérien qui est très joli. Après les Ré, nous avons les Sol. Alors tout d'abord, il y a le Sol de base avec trois doigts. On peut faire tout le morceau avec ce Sol-là, ça va très bien. Moi, je préfère utiliser le Sol avec quatre doigts, donc en rajoutant les deux petits doigts ici à la troisième case des cordes aiguës. Un peu plus joli à mon avis. Sinon, il y a un endroit dans le morceau où il y a un Sol basse de Fa dièse. Alors pour avoir la basse de Fa dièse, elle va être ici. Vous pouvez mettre votre index et votre majeur sur les deux cordes graves à la deuxième case. Voilà. Sol basse de Fa dièse. Ou bien le faire en mettant ici l'index uniquement en travers sur les deux. Voilà. Vous pouvez même étouffer la deuxième corde. Il n'y a pas besoin qu'elle sonne. Comme ceci. J'utilise également des fois le Sol en barré ici. Alors ça, c'est quand je fais l'enchaînement Fa dièse mineur Sol. Je glisse simplement d'une case pour passer d'un à l'autre. On peut aussi faire Fa dièse mineur Sol, mais là, il faut changer de prise. À voir ce que vous préférez aussi. Après, nous avons le La, usuel. Il ne faut pas jouer la grosse corde, hein, bien sûr. Je l'étouffe un petit peu avec le pouce. Il y a le La sus 4, où là, on rajoute simplement le petit doigt à la troisième case de la corde de Si. C'est le même principe, hein, on joue juste sur une croche, ça fait... Même principe que le Ré sus 4. Nous avons également du Si mineur. Celui-là, il est forcément barré. Après, nous avons le Mi mineur. Alors, le Mi mineur, c'est là qu'il faut payer le prix de nos basses chaleureuses sur la corde Ré. Il va falloir boucher le trou, hein, ici, avec le capot qui n'est pas sur la grosse corde, et puis placer l'index par-dessus le capot pour boucher ici le trou. Et rajouter les deux petits doigts, ici, à la position habituelle de Mi mineur. Okay. Si vous êtes en train de faire un Mi mineur en arpège, bien sûr, il n'y a pas besoin de mettre ces deux doigts-là, parce qu'on va jouer les trois cordes aiguës et la basse seulement. Après, nous avons encore le Fa dièse mineur, forcément barré celui-ci. Et une seule fois dans le morceau, c'est dans l'intro, vous avez un Fa dièse mineur basse de Sol dièse. Alors c'est cette position-là, mais vous allez prendre la basse ici sur la corde de La. Voilà, c'est tout pour les accords. Alors pour une fois, on n'a pas besoin de garder le même tempo du début à la fin du morceau. L'original, il commence tout doux. Et c'est une montée progressive à la fois en dynamique et en vitesse. Pour l'adaptation en acoustique, on va jouer également avec ces éléments, la dynamique et la vitesse. On pourrait faire tout le morceau en arpège, comme ceci, et varier la vitesse et la dynamique, les faire plus ou moins fort. On peut aussi faire tout le morceau en accord frappé, comme ceci, et idem, jouer avec la dynamique et la vitesse. Personnellement, je mélange un peu les deux. J'ai décomposé le morceau en trois phases. Un début en arpège, tout doux, accélération progressive. Après, on passe à la deuxième phase en accord frappé. Et à un moment donné, il y a une cadence harmonique qui se prête à un arrêt. Donc j'en profite pour m'arrêter. Et j'attaque après la troisième phase avec un retour en arpège, tout doux jusqu'à la fin du morceau. Ok. Je vais maintenant vous montrer les différents motifs rythmiques que j'utilise. Alors en arpège, j'utilise trois motifs. Sur la tablature, j'indique avec un P ce qui est joué avec le pouce va jouer la basse,
la basse de l'accord. Donc ça va être sur une des trois cordes graves. L'index va jouer les notes qui sont sur la corde de sol, le majeur les notes qui sont sur la corde de si, et l'annulaire les notes qui sont sur la corde de mi. Alors le motif, là je le montre sur un accord de ré. Je commence avec basse, hein, pouce, et annulaire en même temps. Ensuite, je déroule, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. Et je recommence. Après, sur un accord de ré, je peux aussi changer les basses. On avait vu qu'on avait deux basses à disposition. Le deuxième motif rythmique, c'est le même que le premier, sauf qu'au lieu de faire annulaire, index, majeur, index, je vais faire annulaire, majeur, index, majeur. Voilà, ça permet d'introduire quelques petites variations de temps en temps. Le dernier motif, je l'utilise surtout vers la fin du morceau, c'est le même que le premier, sauf qu'il n'y a pas l'annulaire sur le premier temps. Ça fait ceci. Alors pour les rythmiques en accord, comme je joue au doigt, je vais faire déjà les accords en descendant, en grattant avec index majeur annulaire. Et les accords en montant, hein, parce que je vais faire des allers-retours, bien sûr, pour bien garder le rythme, en montant, je vais le faire avec l'ongle du pouce. Comme ceci. Donc d'abord, on va faire ces deux mouvements. Après, pour la rythmique. Donc, je commence premier temps, je descends. Je remonte en évitant les cordes. Je redescends en évitant les cordes. Je monte en grattant, je descends en évitant les cordes, je monte en grattant, je descends en grattant, je monte en grattant. Je recommence, je descends, j'évite, j'évite, je gratte, j'évite, je gratte, je gratte, je gratte. Ça fait bas. Motif que j'utilise de temps en temps, toutes les 4 ou 8 mesures, c'est optionnel, c'est que je remplace la dernière croche par deux doubles croches pour relancer un petit peu le rythme. Je vous montre ce que ça donne en le faisant une fois sur deux. Au niveau de la structure, on est assez loin du schéma classique couplet-refrain trois fois avec un pont au milieu. Thunderbolt, c'est beaucoup plus irrégulier. En réfléchissant un petit peu, j'ai réussi à scinder ça en 11 parties, dont 8 parties distinctes. Ça veut dire qu'il n'y a que 3 parties qui se répètent une fois. On va voir chacune de ces parties l'une après l'autre. Alors la première partie, c'est l'introduction du morceau. C'est là-dessus qu'il y a ce solo d'harmonica. Donc moi à la place, comme je fais pas d'harmonica, je fredonne, hein, je fais la première mesure, en fait elle est particulière, c'est la seule de la partie RPG qui est particulière. Il y a deux demi-mesures, donc on va faire les deux fois la première moitié du pattern en arpège qu'on a vu tout à l'heure. Donc sur le ré, je commence avec la petite basse, après on a fa dièse mineur, basse de do dièse, comme ceci. Et après, si mineur. J'enchaîne. Après,
vais le faire en barré. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi je préférais. Sol, Ré, Fa dièse mineur, Sol, La. Après, on attaque la deuxième partie avec l'entrée du chant. The screen door slams, Sol, Mary's chest sways, like a veil. Alors là, vous avez entendu que j'ai fait un petit arpège particulier qui imite un truc qu'il y a tout le temps au piano. On va détailler cette partie-là. Alors, ce passage de deux mesures commence comme d'habitude. Donc, grosse basse plus annulaire. Index, majeur, index. Après, encore une fois, l'annulaire, l'index. L'annulaire avec, cette fois-ci, le petit doigt sur la troisième case de la corde de mi. C'est le sus 4. Ensuite, index. C'est la fin de la première mesure. Après, deuxième mesure, on va prendre la basse du haut. On fait basse plus annulaire. Puis majeur, index, annulaire, majeur, index, annulaire, majeur. Et c'est tout. La mesure d'après, c'est une mesure de Ré avec le schéma habituel. Je vous remontre un coup. Alors on reprend au début de la deuxième partie, ça commence en Ré, ensuite Sol, ensuite il y a le passage qu'on vient de voir, Ré, La, Sol, encore Sol, La, Ré, Sol, Sol, Ré, Voilà, ça c'est la fin de la deuxième partie. La troisième partie, c'est vraiment la même chose que la deuxième. Alors la quatrième partie, elle commence en Ré comme toutes les autres. Ensuite Si mineur. Ensuite Ré, éventuellement en bas Ré. Sol. Ré. Fa dièse mineur. Sol, éventuellement en bas Ré. Et La. La cinquième partie, c'est exactement les mêmes accords que la quatrième. Il y a juste la manière de jouer le dernier La. On va faire juste la première moitié en arpège. Et la deuxième moitié, on va gratter ici des croches pour en fait lancer la rythmique de la sixième partie qui va être en accord ici avec plus de volume. Je vous montre peut-être cette cinquième partie. Well, now I'm no hero, that's understood. Oh, the redemption I can offer girl is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Kicks to grow. Là, on est sur la sixième. Alors, la sixième partie, on va utiliser la rythmique qu'on a vue tout à l'heure. On attaque en Ré, donc. Sol. Ré. Avec le sus 4. Fa dièse mineur, Sol, encore du Sol, La, Ré, Sol, Sol, Ré, La, avec le sus 4, maintenant septième partie, Ré, Si mineur, la huitième partie, elle est vraiment identique à la septième. La neuvième partie, c'est celle qui commence en Ré. Thunder, oh, Ré sus 4, Ré. When I got Sol, La, make it talk, Ré. Ré sus 4, Ré. And my car, Si mineur. Alors, le Si mineur, c'est à partir de là qu'on va commencer à ralentir et puis à baisser en intensité. Donc, on va faire deux mesures de Si mineur. Come on back if you're ready to take. Sol, La, from Sol, La, Fa dièse mineur, free, Si mineur, but I know you lonely for words I am spoken, but tonight we'll be free, all the
promises will be broken. Donc là, pour la fin, je ralentis. Et il y a cette partie où il y a cette cadence en demi-mesure. Donc ça part en sol, sol basse de fa dièse, mi mineur, en mettant l'index par-dessus le capot, ré. Là, j'épure progressivement la rythmique. Et puis la dernière partie, je ne fais plus que marquer les accords sur le temps. La, sol, fa dièse mineur et mi mineur. Et là, je suis à l'arrêt. Pour la dixième partie, on va retourner un jeu en arpège, assez lentement. On en attaque en ré. There were ghosts in the eyes of the boys you sent away. Toujours du ré. Fa dièse mineur. Sol. In a Chevrolet. Toujours du sol. They scream. Toujours du sol. La. Après, on a deux fois un fa dièse mineur. Je dirais que c'est à peu près là où j'allège mes arpèges, c'est-à-dire je vais prendre le troisième arpège qu'on avait vu, celui où il n'y a pas l'annulaire sur le premier temps. Fa dièse mineur, deux fois, sol, deuxième fois. But when you get... Alors là, il y a le mi mineur où on n'a pas besoin de rajouter les petits doigts, il suffit de rajouter l'index. Get to the porch. Là. Gone on the wind. Sol. Sol. So merry climbing. Re mi mineur. Deuxième fois. It's a sol. Town for losers. And I'm là. Pulling out of here. Là, vous vous arrêtez à la guitare. Vous attendez un tout petit peu. Vous faites to win avec l'accord de ré sur le win. To win. Voilà, il ne reste plus que le final maintenant. Alors sur l'original, le morceau se termine par le magnifique solo de saxophone de Clarence Clemons. J'ai toujours un petit peu de mal à faire du sax et puis de la guitare en même temps, donc à la place, je fredonne. Je fais un truc comme ça. Que je vous ai montré tout à l'heure, ici, haut dans le manche, 9e case barrée, 12e case petit doigt. Voilà. Voilà, c'est fini pour Thunder Road. J'espère que vous aurez du plaisir à le jouer. À une prochaine!